Bienvenue dans un autre vlog de Calou. Aujourd'hui, on est jeudi matin. Donc, la semaine est quasiment finie. Déjà, ça passe tellement vite. Puis, ce matin, moi et Ruby, on s'en va à la station de l'aventure, qui est la place qui s'occupe des petits cours que je fais avec Ruby. Il y a une photographe qui vient, puis ils vont prendre des photos de nos enfants. Puis, par la suite, on va pouvoir choisir des photos si on veut les faire retoucher. Pas retoucher, là. Pas filtrer, mais tu comprends, je veux dire, comme si on veut les acheter. Puis ça pourrait nous faire des petits cadeaux de Noël pour les grands-parents ou quoi que ce soit, tu sais, vu qu'on n'a pas de garderie, de photos de garderie. Fait que j'ai bien hâte de prendre des petites photos de Ruby. Chelsea, elle a eu ses photos d'école, on les a choisies, tout ça. Fait qu'on a hâte de les avoir aussi. Comme vous pouvez voir par mes yeux, ça fait pas longtemps que je suis réveillée. C'est peut-être 6h45 en ce moment. Ruby s'est réveillée vers 6h30. Puis elle gossait pas mal dans le lit depuis 2-3 heures de temps. Fait que c'est ça. Mais ouais, hier, j'ai vraiment une belle soirée d'enseignement. Mais moi puis mes élèves, on commence vraiment à avoir une complicité. Tu sais, comme eux, ils care pour moi, moi je care pour eux. Fait que c'est vraiment plus le fun d'y aller. C'est pas juste comme enseigner du monde, c'est vraiment comme la dynamique du groupe qui change. Fait que j'enseigne des petits de 4-5 ans. J'enseigne aussi des filles de 7-9 ans. Puis mon dernier groupe, c'est du 10-13 ans. Puis justement, hier soir, on a appris quand même un gros bout là, pour notre danse de Noël. Notre thème, c'est le réveillon de Noël. Puis j'ai filmé le nouveau bout pour comme l'avoir en mémoire pour pouvoir leur envoyer pour pratiquer. Fait que je vais vous l'inclure aussi. Comme je dis, c'est un nouveau bout qu'on a appris ce soir. Fait que c'est pas parfait ou rien, mais juste pour vous donner une idée de ce que je fais dans mes cours, je vais inclure le clip ici. Je voulais aussi juste dire que je vais devoir inclure une chanson par-dessus le son pour comme essayer de pas être copyright par rapport à la chanson. Fait que ça se peut que comme on a l'air off beat, mais c'est juste que j'ai mis une toune par-dessus ma toune en espérant que YouTube me copie. Travailler un petit peu, puis faire mon déjeuner. Mais je vais prendre un moment pour lire un petit peu de mon livre. Je pense que je suis rendue à chapitre 4 ou 5. C'est le gars qui jouait Draco Malfoy dans Harry Potter. C'est son livre à lui. Puis à date, c'est vraiment, vraiment bon. Je savais pas si c'est sorti en octobre, fait que c'est tout récent. Puis je vais le prêter. Il y a déjà deux autres personnes dans ma vie qui le veulent après moi. Fait que, ouais, très intéressant. Donc, je me suis préparée parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait prendre des photos avec nos enfants aussi si on voulait. Fait que je me suis maquillée un peu plus parce que je sais que sur caméra, quand t'as juste un peu de maquillage, ça paraît pas. Fait que plus que la norme, mais bon, on est prête. Ruby, elle va être dans les couleurs un peu roses aussi. Là, fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis c'est ça, comme vous avez pu voir, j'ai installé, c'est comme du papier pour comme emballer des livres, là, genre pour protéger des livres. Tu l'achètes au Dollarama, puis dans ma classe de bébé que je joue avec Ruby,
justement, il y avait comme un mur comme ça qui collait des trucs sur le papier. Puis ça faisait qu'elle pratiquait être debout beaucoup. Puis vu que Ruby on est comme en physio pour qu'elle apprenne à marcher, tout ça, c'est important qu'elle se pratique être debout, qu'elle se plie, qu'elle se remonte. Puis avec ça au mur, elle faisait full là-bas. Fait que j'ai décidé de m'en faire un maison. Je suis vraiment pas bonne à DIY. Fait que j'ai rushé ma vie à essayer de le coller tout seul. Aurais su, j'aurais été deux parce que c'est de la gestion. À décoller un papier qui colle. Mais c'est ça. Fait que au moins, ce petit truc-là de café, il était là quand on est arrivé. Puis honnêtement, on l'a pas choisi, mais on a peur de l'arracher puis que ça ruine le mur. Fait que on le laisse là. On l'a rendu comme un petit spot de fun. Là, au moins, Ruby, elle s'amuse avec les pompons, puis elle s'amuse aussi à les mettre dans le petit trou, là. Le truc de papier. Fait que, assez de fun, c'est ça qui compte. Finalement, j'ai pas pris de photos avec Ruby. Elle était déjà pas tant willing d'en prendre, mais on a réussi à avoir quelques belles photos, là, avec un gros nounours pour Noël. Puis, elle a joué un petit peu. Puis... là, on est revenu à la maison. Je t'ai arrêté un petit parc aussi là, pour qu'elle ait le temps de jouer. Puis, je me suis inscrite aussi à quelques trucs. Fait que dans le fond, le 18 décembre, non, 18 novembre, fait que dans deux semaines, ils organisent une sortie au cinéma. C'est comme la salle est réservée pour juste la station, là, le groupe. Fait que ça va être des parents avec les enfants. Fait que ça va être comme la première expérience de cinéma à Ruby. C'est Lyle le crocodile, je pense, le film. Pis c'est ça, fait que vu que c'est juste nous dans la salle, mais que Ruby a crié, qu'elle se promène, whatever, mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme juste nous, fait que c'est l'expérience parfaite pour l'initier au cinéma, puis aussi le son va être moins fort et tout, fait que c'est bon. Puis je me suis aussi inscrite à un café causerie qui appelle le 25 novembre. Dans le fond, c'est qu'il y a souvent comme une activité où, mettons, ça peut être on discute sur un sujet ou ça peut être comme un bricolage. Comme là, ça va être un bricolage de Noël pour les adultes. Puis qui est guidé par quelqu'un. Puis les enfants sont dans la halle garderie. Fait que la salle juste à côté, ils jouent puis ils sont occupés avec les éducatrices de l'autre côté. Fait que ça te permet d'avoir un petit moment avec d'autres mères sans nécessairement être loin de ton enfant, mais de, t'sais, d'avoir un petit peu de temps pour toi aussi. Fait que je me suis inscrite pour ces deux choses-là. Le cinéma, ben j'ai hâte de voir comment elle va réagir, mais justement, je voulais l'essayer parce qu'elle est encore très jeune, mais vu que c'était comme c'est une façon de le faire ou qu'elle achale personne d'autre, ben c'est parfait, puis ça va me faire sortir aussi en même temps. Fait qu'on va avoir deux vendredis le fun ce mois-ci. Je vais le mettre dans mon agenda pour pas les oublier. Je sais aucunement il est quelle heure, mais tant pas long, j'imagine. Ça va être le dîner. Puis par la suite, ben je travaille parce que je veux essayer de faire le plus de travail possible aujourd'hui pour que demain, j'ai la journée de libre pour faire du ménage. Faut aussi que j'ai ramassé des documents d'un client. Puis j'ai le trainer, là, l'éleveur de chien, pas l'éleveur, là, mais en tout cas, le trainer pour Evie qui vient pour nous aider à voir là, s'il y a quelque chose à faire pour ses petits comportements et son anxiété. Fait que je vais aller jouer avec ma fille et on se reparle plus tard. Tiffany ou Dollarama, ils ont sorti leur petit livre à 1,75. Ruby les aime bien, ces petits livres-là. Puis il y en a quatre, genre de Noël ou de... d'hiver, là, comme vous pouvez voir. Fait que là, j'ai pris le petit Père Noël parce que je veux nous mettre dans le mood. Fait que j'ai déjà lu quelques fois. Ça, c'est un livre que j'avais acheté l'année passée pour Noël, justement. Dans un de mes premiers vlogs, j'avais montré un haul qui incluait ce livre-là. Puis je l'ai payé quand même pas cher pour un gros livre comme ça, 14,95 au Walmart. Puis c'est encore un de ses livres préférés, elle nous le demande vraiment souvent. Il est français, anglais aussi, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est ça, il y a un peu de tout là, les couleurs, on compte, les formes, les parties du corps, ça, elle aime vraiment ça, tout nommer les parties du corps qu'elle connaît. Fait que le plus qu'elle vieillit, le plus que ça va être le fun, parce que tu sais, comme les émotions, elle commence pas mal à être capable, happy, angry, les trucs comme ça à le faire. Le goût, ça n'est pas rendu là, mais ça s'en vient. Il y a comme vraiment plein d'affaires. Fait que des livres comme ça, moi, des livres, là, c'est toujours un bon investissement, honnêtement. Ça déçoit pas là, autant enfant que moi. Là. Moi, j'aime vraiment lire aussi. Justement, pour Noël cette année,
Ben pour mon cadeau de Noël, j'ai acheté le 5e livre Harry Potter en illustré, fait que les dessins. Je ne l'ai pas ouvert encore parce que je le veux vraiment comme cadeau. Sinon, je me suis acheté ça, je me l'ai donné d'avance, mais ce livre-là que je voulais. Puis, mettons, de ma mère qui me donne souvent un cadeau, je vais demander une carte cadeau du Indigo Chapters. Puis mon père me donne l'argent souvent, fait que ça, je vais garder aussi pour aller aux Chapters. Parce que bookworm, book nerd comme je suis, mon plus grand cadeau rêve, là, c'est d'aller au Indigo Chapters, me promener dans le magasin, puis avoir genre une couple de centaines de piastres à dépenser sur des livres. Tu montes tes crottes, c'est beaucoup de crottes, ça, mon amour. c'est ça que j'ai vraiment le goût de faire cette année, parce que là, de ce temps-ci, souvent, je commande sur Amazon, mais se promener dans le magasin, chercher des livres, autant enfants qu'adultes, puis pouvoir partir avec une pile de livres en sachant que, genre, t'as de l'argent pour, tu sais. Parce qu'en ce moment, tout est vraiment plus serré, fait qu'on dépense moins, mais avoir de l'argent de Noël qui est fait pour être un cadeau, que tu peux te promener librement et acheter des livres que tu veux, là, ça, c'est mon genre de cadeau. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime lire, mais moi, lire, ça me permet vraiment de décrocher, de... Autant que si c'est un livre genre qui m'amène dans un autre univers, mettons plus Harry Potter, que des livres comme ça, c'est plus une biographie. Juste de comme shut off mon brain, pas être sur mon téléphone, pas penser à genre le ménage ou le travail ou quoi que ce soit. C'est ça que ça fait pour moi la lecture. Comparé à genre regarder une émission de télé, ça fait pas tant ça pour moi. Je suis quand même sur mon téléphone en même temps ou je fais quand même d'autres choses. Fait que la lecture, t'as pas le choix de t'asseoir puis rien faire d'autre. Fait que c'est ça que j'aime. Ça va, Ruby? T'aimes ça mettre ta tête dans le chemin de maman? Hein? Arc, montre pas ta bouche, c'est dégueu! Qu'est-ce que tu fais montrer ce que dans ta bouche? C'est dégueu? Hein? Mm. En passant, c'est son petit kit là, que je vous avais montré du Costco l'autre fois. Mm. Il fait super bien dans le dirty, fait que c'était la bonne vendeur à prendre. Bah oui, maman va arrêter de parler. Mm. Une petite marche ce soir. Je suis venue toute seule avec le chien parce qu'il est vraiment dur à gérer. Avec le bébé aussi. Puis. Mon mari la faisait manger, fait que je me suis dit que ce serait le moment parfait. Salut! Ben bonsoir. Il est rendu 10h le soir. Je viens de finir de travailler, mais il me reste juste une demi-heure à faire demain. Fait que ça va être le fun parce que genre une journée plus facile. Puis je vais pouvoir comme faire du ménage. Me concentrer sur l'air trainer qui vient pour le chien. Puis aussi ça va me permettre aussi de relaxer demain soir à place de travailler. Fait que j'aime ça vraiment, ma nouvelle horaire, là, ça m'aide vraiment. Côté stress, de pas genre avoir plein d'heures qui me restent le vendredi. Petit sidebar random, mais si vous allez au Walmart avant mercredi, fait que là on est le... Ce vlog va être live le jeudi, fait que ça vous donne comme 5 jours. Le porc haché est en spécial, vraiment pas cher. C'est comme une et quelques... La livre, genre. Fait que vraiment, vraiment pas cher. Ou une et quelques le paquet, en tout cas. Pas cher. Vraiment pas cher. Fait que si ça vous dérange pas, moi, mettons, mon mari préfère le bœuf haché. Mais si je mélange, mettons, moitié-moitié, pour comme sauver des sous, il goûte pas. Fait que c'est une bonne alternative au steak haché qui est rendu vraiment cher. Moi, j'en ai plein parce que j'ai acheté d'une boucherie, mais... Si jamais t'en as besoin, ça peut être dépanneur. Fait que je me suis dit que je partagerais ça avec vous, vu qu'on est tout en train d'essayer de sauver des sous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment ça quand je partage des petits trucs comme ça. Fait que c'est ça. Là, j'ai aucune idée si ça va être un vlog vraiment intéressant à suivre. Il n'y a pas eu de haul ou de trucs vraiment complexes, des activités de fou. C'était vraiment, vraiment un vlog de jour normal. Mais j'espère que vous avez quand même aimé ça, passer du temps avec moi et Ruby aujourd'hui. Je vais terminer le vlog pour pouvoir le mettre en ligne demain. Je vous souhaite un super de beau week-end. Il annonce super beau, 20 degrés, 21 degrés. Nous, on a un party de Halloween en retard le samedi soir. Puis le dimanche, on s'en va à la semi-finale de l'Est du football pour les Alouettes. Donc, c'est de la température géniale pour ça. J'ai vraiment hâte. C'est sûr qu'on va aller prendre les marches aussi. Fait que j'espère que vous allez pouvoir profiter. Puis si jamais dans le coin que vous vivez, il fait pas beau comme ça, je pense à vous. Donc, c'est ça, je vous laisse. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!